Et bien bonjour à tous les amis, je suis Bubble, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII Remake. J'enchaîne tout de suite avec le premier épisode. On a perdu 30 petites secondes de temps pour pouvoir évacuer le réacteur. On a se débarrassé du gardien scorpion lors du dernier épisode. Et là maintenant on doit évacuer le réacteur numéro 1 avant qu'il n'explose. On a 20 minutes pour ça. Il y a des pièces qui seront nues, je vais les récupérer quand même. On a sélectionné 20 minutes, normalement ça va nous suffire pour remonter. Dans la démo j'avais essayé de mettre 30 minutes et il nous dit qu'on est une mauvaise. Nous dit qu'on est des mauviettes en fait. Magnifique pour l'instant. Quand même. Dépêchons. Tais-toi et grimpe. Tu gaspilles ton souffle. Oh, mais non. Si je pars pas, ça me stresse. Fais comme tu veux. Allez, on avance. Voilà.
J'avais remarqué. Ok, on avance. 14 minutes. On continue de monter dans le réacteur. Je veux savoir à qui tu parles. À toi de jouer. J'attendais que ça. Allez, casse-toi. T'as l'air sacrément mal en point là. T'es sûr que ça va aller? Garde ton sang-froid. Ouais, laisse-moi faire. Tu fais une petite pièce. Concentre-toi. C'est le moment d'en finir. Allez. Allez, ensemble. J'attendais que ça. J'en veux encore. Allez, pas m'énerver. On n'a pas le temps de célébrer. On a le droit d'être content quand même, hein. Ok, on continue d'évacuer. Shinra s'est attaqué au réacteur. Voilà, c'est ouvert. Et nous on va finir d'évacuer. En toute urgence. Ça va aller? J'ai fait exprès de tomber pour voir si tu t'arrêterais pour moi. Des crayons de vérité.
Ok, on a terminé la première partie. Donc là, à partir de maintenant, on découvre le jeu puisqu'on a terminé la section de la démo. Tout le monde est là? Pas de bobo? On s'en est bien sorti à... T'y es pas allé un peu fort, là? J'ai suivi les plans de la bombe à la lettre. Je pense que c'est dû aux émanations de Mako. J'ai peur que la ville aussi ait subi des dégâts. Malheureusement, faut ce qu'il faut. C'est pour la planète. J'espère que ça la soulage. Oh, ça, j'en suis convaincue. Allez, sortons d'ici. On est bien au secteur 8? Presque, c'est un peu plus loin. Wedge, tu vas passer devant. Entendu. Il y a plein de câbles sectionnés. Faites attention. Ah, ça pue le métal rouillé par ici. J'ai hâte de respirer un peu d'air frais. Oh, sérieusement, ça chlingue grave là. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais ça vient de moi. Faut dire que j'ai eu une bonne dose de sueur froide. J'en ai le ventre qui ballotte là. Ça n'arrête pas d'exploser. Sortons avant que ça nous tombe dessus. Vu la densité de Mako, sans catalyseur. À moins qu'il y ait eu de la poudre. Jesse, on verra ça plus tard. Non, oh, j'ai l'estomac qui arrête pas de gargouiller. Tu attendras qu'on rentre au QG. Eh ben la prochaine fois, j'apporterai un casse-croûte. Hop, nous on va récupérer le coffre. Ouais, ici. C'est encore loin? Non, on y est presque. On devrait pouvoir sortir par ici. Bien, reculez, je vais faire sauter les portes. J'ai hâte de retrouver Marlène. Moi, dès que je rentre, je me douche. Ça y est, c'est prêt. Bouchez-vous les oreilles! Allez, c'est bon, c'est ouvert. Moi, tout ce qui me gêne, je pulvérise. Bon, allons-y. À l'attention de la population. Ceci est un message du bureau de crise de la compagnie Shinra. Le réacteur Mako numéro 1 a été détruit par un attentat à la bombe non revendiquée. L'explosion secondaire continue de se produire, entraînant de nombreux incendies. Le secteur 1 et le secteur 8 ont été déclarés zones sinistrées par les autorités. Les dégâts subis peuvent entraîner des tombements de bâtiments ou des chutes de décombres et de bris de verre. Veuillez évacuer les lieux au plus vite. Oh non, c'est pas vrai. Alors là, je m'attendais pas à ça. On a un peu abusé, je crois. C'est un peu tard pour les regrets. Ouais, ça tu l'as dit. On n'a pas le temps pour les sentiments. On a encore plein d'autres réacteurs à faire péter. On n'a pas le choix si on veut sauver la planète. Je sais bien. Je me suis fait une raison quand on a commencé. Et on n'en est encore qu'au tout début. On s'est donné une mission. Celle de sauver le monde. Et pour y arriver, il va falloir faire des sacrifices. Mais je suis pas fou, vous savez. J'entends vos cris d'agonie à vous aussi. Vous en faites pas! Allez, mettez-moi tout sur le dos! Vos craintes? Vos doutes? Vos petits soucis? Sans oublier votre récompense. Tout ça, c'est ma responsabilité. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a prévu. On prend nos jambes à notre cou. Mmh.
Ok, on va se diriger vers la gare. On va prendre le dernier train à la gare du secteur 8. On se retrouve tous au wagon de marchandises. Ok, à plus! Hé hey. Et l'argent que tu me dois? Quand on sera rentré au QG, après la mission. Coucou. Regarde, je suppose que tu sais ce que c'est. Une materia de soins. Oui, je connais. Je te la donne, pour te remercier de m'avoir sauvé. J'ai fait que mon travail. Rien de plus normal. J'insiste, s'il te plaît. Si je suis là maintenant, c'est uniquement grâce à toi. Ceux qui survivent sont soit les chanceux, soit les vainqueurs. Reste à savoir dans quelle catégorie tu es. Mais c'est tout vu. En tout cas, ça me servira. Tu sais comment ça s'utilise, j'espère. Tu m'as pris pour un débutant, c'est ça? Alors, on va regarder le tutoriel quand même pour les matérias. Vous pouvez désormais insérer des matérias dans vos armes et vos protections. Commencez par placer la matéria soin sur l'épée broyeuse. Alors, vous pouvez insérer des matérias dans vos armes et vos protections via le menu équipement et matérias. Placez la matéria soin dans l'épée broyeuse pour voir. Hop, on sélectionne l'emplacement vide et on va prendre soin. La matéria a été insérée. Insérer de matéria dans un équipement d'un personnage lui permet d'utiliser de nouveaux sorts ou compétences, ou encore d'augmenter certaines de ses attributs. A vous d'essayer d'associer différentes matérias dans les emplacements de vos armes et protections. Ok. Ça change pas trop par rapport à avant. N'attends pas de t'effondrer pour t'en servir. Et puis ça, c'est pour récompenser le petit nouveau de sa témérité. Ça devrait te donner des palpitations. Bon, on se retrouve au train. Ok. Cloud, par ici! Regarde en haut! Je suis ici! Regarde, c'est pas stable ici, fais attention! Pour monter, faut prendre les escaliers là-bas! D'accord. J'ai peur d'avoir de caisses pour récupérer. On peut traverser les décombres en passant par cet escalier. D'accord.
première vue sur Sephiroth. Qu'est-ce que je viens de voir? Que je ne l'ai pas oublié. C'est un moment important de notre passé commun. Écoute. J'ai un service à te demander. Cet arbre est sur le point de s'éteindre. Sans un cri d'agonie, un silence, doux, doucement. Notre planète adorée va bientôt disparaître. Pour toujours. Si la planète meurt, ton village natal qui a si magnifiquement brûlé s'évanouira. Tout comme le souvenir de cette femme implorant qu'on épargne son fils. Et la sensation que j'ai eue en la transperçant de mon sabre. Mais je ne saurais perdre le lien qui nous unit. Il m'est encore plus précieux que ma propre vie. Aide-moi, Cloud. Prête-moi ta force. N'aie crainte, il n'y a rien de plus simple. Pars en courant. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Tu vas le payer! Voilà, c'est très bien. Ne t'avise pas de m'oublier. J'ai des visions. Je me suis trop approché de la Mako. Bon, allons-y. Toujours pas de lever. Il faut au moins qu'on fasse évacuer.
Surtout, restons vigilants. Il y en a ici aussi. J'ai hâte d'entendre ce que le président va dire. Faut aller récupérer la... Je savais bien que ça finirait par arriver un jour. Et faire un détour par les J'espère qu'il va... Le suspect n'est pas loin. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention sur moi. Ok, bon, pour l'instant, je sais pas comment récupérer la... Voilà, enfin, la matéria. Peut-être plus tard. Tu saurais protéger qui que ce soit. Cloud, tu n'es même pas sûr de toi. Est-ce que ça va? Dis, tu m'entends? Oui. C'est pour toi. Prends-la. Une fleur? Oui. Merci. Tu les as chassées. Alors je te dois bien ça. Mais de quoi est-ce que tu parles? Disons, pour marquer notre rencontre. Il manquait plus que ça. Je t'ai entendu, tu sais. Et c'est combien? Le prix est variable suivant le client. Dans ton cas... Tu ne me dois rien. Tu sais ce qu'elle signifie? Retrouvaille. Je préfère t'avertir. Je sais très bien me défendre. Ok, j'en suis certaine. Et alors? Je ne me laisserai pas intimider. Ah! Tu crois que c'est un piège? Qu'une bande de gros bras t'attend dans l'autre rue? T'inquiète pas, je ferai jamais ça. C'est pas du tout mon genre. Un réacteur Mako a été détruit. Tu ferais mieux de vite retourner chez toi. Aide-moi! Lâche ton arme! Mais il ne les voit pas. À mon avis, on devrait se séparer. Au revoir! Pousse ton épée par terre, lentement! Putain, Eris. Ok, maintenant je vais pouvoir passer et récupérer la matéria. Où est-ce qu'on peut se faire ici? A priori c'est par là, je vais juste aller récupérer parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait de la matéria. C'est fini pour toi. Je suis prêt.
fini. Ok. Pour accéder à la gare, veuillez éviter la grande place et faire un détour par les ruelles adjacentes. Matériel PV augmenté. La circulation des trains doit être interrompue à tout moment. Je vous recommande d'évacuer le secteur au plus vite. Je... Alors. Je peux pas encore changer mes. Alors je sais pas encore comment changer mes équipements. Peut-être plus tard. Mais bon, on a récupéré une matériel PV augmenté du coup. Il y a une autre là. C'est toi le suspect. Je t'ai trouvé. Ici la 4ème brigade du sécurité. Nous avons trouvé le suspect. Envoyez des renforts. Je répète, ici la 4ème brigade du secteur 8. En avant. Matéria esquive offensive. En fait, j'ai encore envie d'explorer, voir s'il n'y a pas d'autres choses à récupérer. Ça fait de l'expérience. Rien à signaler. Vas-y. Je t'attends. Thank you.
hein. Manquez ! Ne veulent pas autant pire. Lâche ton arme et renforce. Les armes ont été déployées au centre de la place. Je vais me surpasser. Encore. Ok, je pense que je suis peut-être allé trop loin en fait, parce qu'il y avait un truc à faire par là. Message de la surveillance aérienne. Ah, ils sont encore trois. Il faut renforcer la sécurité autour de la gare. Vas-y, essaye. Je crois que je ferais mieux de pas aller à la gare maintenant. D'accord, il n'y a pas grand-chose en fait, il y avait juste des trucs à récupérer. Ok. Bon, en fait, c'était de l'autre côté. Bah, c'est pas grave, ça fait un peu d'expérience en plus. Ça nous servira plus tard. Bien, parce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. On ira à la gare du coup demain. J'espère que cet épisode sur Final Fantasy VII Remake vous aura plu. On se retrouve donc demain pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve tout à l'heure. Excusez-moi, il y aura le troisième épisode encore ce soir. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.